Elle est pas à moi. Sérieux? Ouais, ouais. Je l'ai emmené en fait pour que je chope un petit Instagram et tout, mais sinon voilà. Passe une bonne journée. Quoi? Bien joué, bon chien, bon chien. Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, attends, il faut quelqu'un. Excuse-moi. Bonjour. Est-ce qu'il y a moyen que tu viennes très vite, s'il te plaît? Du coup la famille, juste avant que la vidéo commence, je tenais à vous présenter l'application qui sponsorise cette vidéo et qui s'appelle Fruits. Je sais pas si tu connais ou pas Fruits. Je connais Fruits. Ouais, tu peux, enfin tu sais un peu de quoi, enfin genre, oui. Genre le concept avec les fruits. C'est la cerise, la pastèque, le raisin. Oui. Et la pêche. Et la pêche, exactement la famille, du coup il y a 4 fruits en tout. Je vous présente l'application maintenant, let's go. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Fruits, les gars, Fruits c'est une application te permettant de rencontrer des personnes ayant les mêmes envies que toi. Ce qui évite donc de poser des questions du genre qu'est-ce que tu cherches, etc. et tout. Du coup ça te fait gagner du temps. Du coup il y a une transparence sur les rencontres et c'est donc ça qui la différencie des autres applications de rencontres. Donc pour cela c'est simple, chaque fruit est égal à une envie. Donc on a d'abord la cerise qui signifie une relation sérieuse. Ensuite on a le raisin qui signifie une relation sans se prendre la grappe. Ensuite on a la pastèque qui signifie une relation sans pépin, du coup sans pépin genre sex friend. Et pour finir, on a la pêche qui signifie « je veux pêcher avec toi ce soir », donc un coup d'un soir en gros. Vous pouvez ainsi swiper comme montré ici, donc si vous êtes attiré par la personne, hop là, un petit swipe à droite. Et si vous n'êtes pas attiré par la personne, hop là, un petit swipe à gauche. Bonjour, t'es pas en droit? Si. Ah ok cool, t'es en quoi déjà? Je suis en master. Ok d'accord, parce qu'en fait à la base lui aussi en fait il est en droit. Et sauf que le problème c'est qu'il a pas tous les cours. Et du coup je sais pas s'il y a moyen que tu lui envoies ou pas sur, sur ça Instagram. Ça dépend de quel cours t'as besoin. C'est des cours de quoi Hamid? Ok, mais il m'a dit il faut que je vois avec elle sur Instagram en fait. Du coup si tu as Instagram. Ouais. Tiens je te laisse le mettre. Et tu t'appelles comment? Valentine. Ah cool! On fera un truc pour la Saint-Valentine. Moi c'est Nassim. Excusez-moi les filles, bonjour. Il y a mon tel en fait là dans ma poche. J'ai un peu de mal à le prendre si tu peux le prendre à ma place. Sure. Merci. Le code c'est 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, ah merde. Ça va? Ouais, il est où ton chien? Ça va super, merci. Est-ce que tu peux aller sur Snap? Et tu mets ton Snap. Ah c'est pour lui hein. Bah c'est pour lui. Si je le touche il meurt. Non, lui il meurt pas du tout. Ah il est doux. T'as vu ça? Très bien, très bon travail, très bon travail Hani. Il est grave doux. Je peux te poser une question? Tu préfères quoi entre le raisin, la pastèque, la pêche et la cerise? Mais en tant que fruit ou sur le truc? En tant que fruit. En tant que fruit, la pêche. Ah bah pareil du coup, ça fait un point commun, c'est fou. Et ce qui est marrant en plus dans le mot pêche, c'est que dans le mot pêche en fait il y a un P, genre la lettre P. Ouais. Et que dans Snap il y a un P aussi, c'est une coïncidence de ouf en fait. Ouais, c'est vraiment fou franchement. Et je suis désolé, c'est plus fort que moi en fait. Et tu t'appelles comment? Anna. Anna? Ah bah il y a A aussi dans Snap. Ah ouais putain, ouais. Ok. Et toi tu t'appelles comment? Je m'appelle Nassim. Nassim, ouais. Il y a A aussi. Tiens, je suis Nassim. Ça va sinon? Okay, bah oui, ça va, ça sort de partiel hein. Par là, tout droit, tout droit, voilà, un peu plus vite. Par là, Zabi, par là. Comme ça, ici, comme ça. Oh, voilà, c'est pour ça. Oui, oui, il n'y a pas de soucis, t'inquiète. Il s'appelle comment? Il s'appelle Hamid. Le mien, il se laisse pas du tout caresser. Ah ouais? Ouais. Le problème, en fait, c'est qu'elle a pas de mec. Du coup, elle est un peu triste. Oh non. Donc, de quoi? Je sais pas si tu as Instagram ou pas, peut-être, pour qu'on fasse en sorte que genre, ils se rencontrent et tout. Il est trop mignon, oui. Et tu t'appelles comment? Eva. Enchantée, Eva. Et toi? Nassim. Enchantée. Après, c'est pas je l'ai pas tout le temps. Hein. C'est pas mon chien. Genre, il est chez ma grand-mère, quoi. Ah oui, non, mais lui. Moi, c'est un chihuahua. Ah, ok, oui. Rien. Ah non, mais elle, en fait, la base, elle est pas à moi aussi. Hein. Elle est pas à moi. Sérieux? Ouais, ouais. Je l'ai emmené en fait pour que je chope un petit Instagram et tout, mais sinon voilà. Passe une bonne journée. Quoi? Bien joué, bon chien, bon chien. Il est bien. Oui, il est mignon. Il est bien. Vas-y, viens. Va vers elle. Pourquoi? Il est là. Il est là, le chien. Oui, il est bon. Parce qu'il a des poils et tout. Mmh. Une queue. Et ça va du coup? Ça va. Ouais. Allez Hamid, on y va. Oh,
t'as même pas besoin du chien pour arriver à tes objectifs. Ouais, je sais pas. Tu penses? Sérieux, bah oui. Excusez-moi, où sont les chiottes? J'ai la diarrhée en fait. Excusez-moi. Rentrez, il y a une autre, il y a un portail dans ce bâtiment-là. C'est ok, d'accord. Tu vas tout droit, tu vas à gauche et tu verras, il y a une entrée et tu vas ouvrir. Ok, d'accord. Je trouve que t'es mignonne, je vais te le dire en fait. Je sais pas si tu as Instagram ou pas. Si je peux l'avoir, s'il te plaît. Attends, il faut que je me dépêche là. Si je. Ah oh, putain. J'ai pas envie de me chier dessus en fait là. Ah, j'ai pété. Excusez-moi. Merci. Ouais, ça marche pas. Ouais, ok, pas si, si. Au revoir. Est-ce que tu connais un peu le quartier ou pas? Bah, dis toujours, hein. Ouais, parce que je sens en fait là de tôt, donc je sais pas trop où c'est et tout. La bibliothèque François Mitterrand, elle est par où? La BNF, alors en fait là, tu fais juste là, et au moment est tout droit et tu reconnaîtras le grand bâtiment en fait. Parce que je connais pas trop en fait là, ça va faire quand même 3 ans que je t'ai acheté en tôle et tout en fait là, parce que j'ai tué 3 personnes et tout, du coup voilà, le fait que je sois dehors et tout, c'est pas évident. Écoute, tout droit. Ah, merci beaucoup. Est-ce que t'as Instagram? Oui, tout à fait. Je peux l'avoir? Cool, ouais. Parce qu'en fait, à la prison, on n'avait pas accès, en fait, genre, pour les réseaux et tout. Enfin, en tout cas, moi. Parce qu'ils ont jugé que, ouais, j'étais un fou, en fait. J'avais plein de problèmes et tout. Hein? Ça va mieux depuis? Bah, tu verras. Du coup, je voulais simplement vous dire un truc. Si vous regardez, il y a une caméra. Et je fais une caméra cachée. Oh, putain, c'est trop chelou. Je me suis dit, c'est trop bizarre. Du coup, à la base, on fait un prank. Il y a la caméra là-bas, en fait. Ah j'ai voulu rigoler. J'ai pas la chasse ou quoi, t'inquiète. Voilà, j'ai pas la viande. C'est fait exprès, en fait. Mais c'est quelle chaîne YouTube, c'est quoi? Tu mets Nams. Tu mets Nams, en gros. Je fais des pranks et tout. Oui. Excuse-moi, Widen. Du coup, à la base, on fait un prank. Et il y a la caméra là-bas. Et le thème, c'est juste le mec qui se prend avec un chien. Et genre, il va voir des meufs et tout ça, tu vois. Du coup, voilà. C'était drôle. Bah, c'est cool, merci. C'est un prank, enfin, un prank, en fait. Il y a la caméra là-bas. Non. Je suis pas un mec bizarre. Non, c'est pas encore sans viser, mais ok, je. Mais c'est cool. Excuse-moi, frérot. Ouais. J'ai pu avoir des meufs avec lui. Quoi? Il m'a aidé en fait à avoir des snaps. Tiens. Mais. À ton tour. Attends, non. Ok. Vas-y.